fille, bonjour et bienvenue au nouveau. On se retrouve pour faire le fond numéro 5 pour l'art journal de Théa. Donc, c'est le dernier fond. Je vous mettrai les liens de sa chaîne dans la description. Alors, je vais utiliser, donc il faut utiliser un mandala. Donc voilà. Je vais utiliser ce pochoir-là et celui-là. Au niveau des couleurs, le vert, le turquoise, le bleu, le violet, le blanc et le noir. Et elle utilise pour le pochoir mandala du blanc transparent. Je n'en ai pas, donc je vais le faire avec du gesso blanc de chez Action. Il me faut un truc. Donc je vais commencer par le bleu. Voilà, c'est ça que je cherchais, le bleu avec le poche, avec le rouleau. Voilà, je vais mettre du violet. Je sèche, je nettoie mon rouleau et on se retrouve après. Alors, maintenant, je vais utiliser ce pochoir-là avec du turquoise. Hop, ma guenille. Thank you.
Voilà. Voilà pour celui-là. Ensuite. Je vais utiliser du verre. Je sèche, je vous reprends après. Donc je vais faire le mandala. Donc je vais utiliser du blanc, du gesso. Que je vais bien le blanc soit transparent. Bon, sur mes autres fonds, j'ai apporté des modifications. Je mettrai les photos en fin de... quand j'aurai vraiment fini le mini-album. Ça fait un peu cracra, c'est pas grave. Voilà. Je vais le sécher, on se retrouve après. Je vais utiliser ce pochoir maintenant avec du verre.
J'en mettrai pas plus. Le vert, c'est pas trop ma couleur. J'essaie de respecter les couleurs que Fab elle a mis. Je vais utiliser maintenant. Faut que je la retrouve. Voilà. Je vais faire des traits. J'ai envie de les faire en noir. Alors, on va les faire en noir. Je vais faire des ronds. Blanc. En noir. Alors, je sèche et on se retrouve après. Bon, je vais border le mandala avec du blanc.
je fais tout le tour et on se retrouve après. Bon, voilà. J'ai fini de border le mandala. Maintenant, je vais faire des gouttelettes noires et blanches. Donc, voilà. Alors, on va commencer par les blanches. Si j'ai gesso, je ne vais pas utiliser de gesso, je vais utiliser de la peinture blanche. Je vais aller changer mon eau parce que c'est de l'eau noire. Voilà, j'ai mis du beau propre. Ça ne marche pas. Ça peut pas aller où je veux. Bon, voilà. Je sèche, on se retrouve après. Donc, voilà mon fond. Après, je vais le border avec du feutre noir. On va attendre que ça sèche complètement et je vous mettrai les photos en fin de vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye bye!